ce que je suis. Hein? Oh, ma tête. Oh non. Oh les amis, je crois que... mon bateau, ça y est, je m'en souviens. Mon bateau s'est échoué. Oh non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis coincé au milieu de l'océan. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, attendez, mais... on dirait une plateforme? En pleine mer, comme ça? Waouh, mais quelle chance! Mais je vais pas me laisser abattre, les amis. Je vais survivre. Je vais me relever. Et je vais partir d'ici. Et les amis, je vous souhaite la bienvenue. Et dans Roblox Survive Side Dice on the Sea. Ah, et c'est parti. Ok, bon, on va commencer. Ça va être très simple. Il va falloir agrandir ce radeau, améliorer le radeau, pêcher et surtout survivre. Bonjour à tous les amis, c'est Mojumper. Vous avez sûrement déjà vu dans les émissions de comment survivre en pleine mer. Et ben, ça tombe bien, c'est celle-là. Donc du coup, on est parti. Mais... attendez, j'ai l'impression que je suis tout seul. Attendez, j'ai un truc qui est bloqué dans la poche. Allô? Comment ça se passe? Tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? J'entends quelqu'un! Ouais, je t'entends, ouais. Toi aussi, t'es... non, parce que t'étais sur le bateau avec moi, mec. Tout va bien? Ouais, je suis sur une espèce de planche géante. Waouh, mais attends, mais c'est quoi ça? On dirait Raft, tu sais, la série là que j'avais fait. Ouais. Excellent. Bon, bah les amis, vous l'avez compris, on va devoir survivre en pleine mer. Mais pour ça, on va devoir survivre 7 jours. Du coup, c'est parti. Oh, bah je vais engager mes clones. Voilà, bien pratique, hein. Ils vont nous permettre justement de pêcher. Parce que bon, il va falloir construire un abri, mais aussi également se nourrir. Très important. Ok, par contre, comment je récupère de l'argent là? Attends, ah, ça le donne automatiquement. Excellent. C'est quand Fonjumper 005 est en train de pêcher. Ok, regardez, j'ai tous les potes qui sont là. Excellent. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on a là-bas? Une pile? Ce n'est pas le moment d'avoir une pile. Ok, très bien, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi la pile en fait? Ah, c'est de la... c'est de la déco. C'est de la déco, mais je suis dégoûté. J'aurais pu économiser pour acheter autre chose. Très bien, ok, bon. Alors, attendez, on va voyager, d'autres personnes. Oh, Merspace! T'es avec moi mon pote, c'est bon? Pareil... ouais, c'est ça, c'est pareil, bon. T'es un bon pêcheur, mec. On va prendre d'autres trucs là, donc là. C'est d'autres personnes pour travailler, excellent, pour pêcher, ok, ouais. Excellent. Oh, j'ai vu qu'après on pourra avoir des super workers et tout, excellent. Ouais. Oh, attends, on peut pêcher des trésors aussi? Ah ouais que, oui. Attends, mais il est trop fort le Fjordjumper 005 là. Excellent. Ok, il y a aussi également... oh, attends, mais je peux vraiment pêcher par moi-même? Allez, oui, c'est parti. C'est hyper important parce qu'il faut pêcher des poissons pour les cuire et les manger. Excellent, ok, donc là je pêche. Je vais vérifier que le flotteur, tiens, ça a l'air d'aller. Il bouge pas? Attends, il y a un moment, il va plonger ou pas le flotteur? Oui, c'est juste oui, c'est pour bon. L'instant. Ta canne à pêche est plutôt nulle. Ah, ok. Et là, c'est bon, j'ai du poisson. Let's go. Yes. Il est un peu en plastique, le truc. Hein. Ok, et là, du coup, je vais pouvoir le cuisiner, c'est ça? Ouais, au feu de camp. Ok, trop bien. Hop là. Bon, on va le mettre là. Celui-là. Voilà. Donc là, il faut une minute. Ok, bon, je l'ai mis sur le feu. Mais entre deux, je vais engager des nouveaux potes. Ouais, en fait, c'est toutes les personnes qui étaient avec moi sur le bateau, quoi. Exactement. Il y a Overspace le ban, c'est le compte banni de Roblox. toujours pas débanni d'ailleurs. Ok. Oh, ouais, je peux aussi également améliorer ma canne à pêche. Excellent, je pourrais avoir une canne à pêche. $450, pas mal. Quand même. Oh, qu'est-ce que c'est? Un event a commencé. Bubble Burst. Ça veut dire que je dois pêcher? Attends. Bubble Burst? Non, c'est qu'il faut que tu esquives les bulles qu'il peut y avoir sur ton radeau. Oh, d'accord, ok, c'est genre un événement, c'est comme une tempête. Ouais, alors des fois c'est négatif, des fois c'est positif. Ouais. Alors je sais pas si c'est positif, je vais essayer. Bah, quand je me sens super. Ah non, ça fait mal! J'allais dire, je me transforme en Super Saiyan, mais non. Pas du tout en fait, c'est vraiment pas. Non, c'est vraiment pas cool. Ok, donc là c'est bon, j'ai toutes les personnes avec moi. Regardez, ouais. En haut on a bien sûr une montre qui nous indique qu'il va bientôt faire nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe, Overspace? Oh, j'ai un tsunami qui arrive. Ah bah excellent, ça va, heureusement qu'on est pas sur le même radeau, hein. Ok, d'ailleurs moi je vais engager, regardez, des super. Golden Worker, donc c'est super envoyé en fait. Ils vont super bien pêcher pour moi en fait. Hein. Oh, sérieux, t'es en train de mourir? Oh, c'est bon, j'ai esquivé. Oh, on aurait dit les plombs dans Toy Story 2 avec le camion. Génial. Oh là voilà, là. C'est bon, regardez, j'ai les super workers. Wow, oh il brille de ouf celui-là. Let's go. Ok, bon, il va bientôt faire nuit. Il serait grand temps de construire un abri, non? Oui. Alors attends, les points d'interrogation, ça nous permet de savoir quoi construire dans l'ordre, j'imagine. Oui, non. D'accord, bon, bah écoute. Y'a pas vraiment d'ordre. Y'a pas d'ordre, ok. Oh, Fisher Hut. Ça, c'est pour les poissons, ça. Oui. Ah, je vais dormir avec les poissons cette nuit. Là, c'est quoi le mannequin? Très bien. Je vais construire tout ce que je peux. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait emporter par la mais quoi? Oh, attends, mais t'as des coffres. Oh, tu peux choisir un coffre. C'est un bonus.
Ouais, de temps en temps, t'en as un qui... Oh, j'ai obtenu 612 de thunes, mec. Oh, trop bien. C'est pas mal. Ok, donc là, c'est ici, c'est le sèche-serviette, là. Voilà. Ok. Ok, on va faire une petite tente, impeccable. Voilà. Ah, je vais pouvoir dormir. C'est ça, c'est la tente d'Overspace, hein. Voilà, et ça, c'est la mienne. Nickel, il y a une tente rouge et une tente violette. Bon, allez, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Bon, en fait, je vais bosser finalement. Je crois qu'à mon avis, on peut pas passer la nuit, hein, c'est ça? C'est si, pas... si, c'est juste qu'il faut attendre qu'il soit un peu plus tard. Ah, ok, excellent. Donc là, c'est bon. Donc en bas à gauche, je vois que j'ai aussi également ma barre de nourriture. Warm, c'est pour savoir si je me les gèle ou pas, hein, s'il fait trop chaud ou trop froid. Shelter, c'est quoi ça? Shelter, c'est l'abri que tu peux améliorer, ça t'augmente tes points de vie. Oh, oh, je l'ai amélioré, let's go. Alors, est-ce que ça... Ah ouais, c'était une vieille tente. Wouah, la tente, elle est géante. Ah ouais, trop trop bien. Ok, donc là, il y a plein de caisses, ok. Donc là, on fait un stockage de planches, hein. Alors, je crois que j'ai ramassé tout ça dans l'eau, hein. Voilà. Oui, oui, bah oui, bah... C'était au passage, sûr. Tu vois, c'était au passage. Des tuiles... voilà, c'est ça. Des téléphones, des nouvel iPhone, tu vois, il y avait tout, hein, tu vois. Oh, il y a aussi également un mannequin d'entraînement, d'accord. C'est pour apprendre à le frapper, j'imagine, ok. Donc là, c'est bon. Ah oui, ma nourriture, vite. Bon, j'ai pas spécialement faim, mais ça va. Je vais prendre, je vais manger quand même. Oh le bon poissonné. Il était vachement bon, voilà. Oh, il était nickel. Par contre, on est d'accord, les personnes qui sont avec moi ne peuvent pas pêcher de la nourriture, hein. Non, elle te rapporte que de l'argent, c'est tout. Ok, ok, bah je vais améliorer tout de suite ma canne à pêche. Ok. Voilà, comme ça je l'ai mis au niveau 2 et maintenant ça va peut-être aller plus rapide. Waouh, regardez, il y a des dents de requin sur la canne à pêche. Hop là, let's go. C'est parti, j'ai balancé le flotteur. Je suis dans l'océan, seul. Abandonné de tout le monde. Ok, attendez. Waouh, c'est bon. Oh, un gros poisson. Nickel. J'ai le temps d'en repêcher un autre. Et c'est parti. Ouais, il y en a, ils pêchent des trésors, mais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un navire qui s'est échoué ici ou quoi? C'est, comment ça c'est se passe? Le Hollandais volant, je crois. Ah ouais, ouais, let's go. Vu la couleur des coffres, ouais. Ok, pour l'instant, c'est marqué waiting. Mais où mon flotteur? C'est toujours marqué waiting. Attends, ah genre, bon j'ai... Oui, ah, ah bah c'est bon, bah j'ai plus un. Oh, par contre, ça va être l'heure d'aller se coucher, je crois. Ok. Là, il y a la nuit, là. On peut aller dormir. S'il y a un point d'exclamation sur, sur ton abri, tu peux aller dormir. Pas pour l'instant. Ok. C'est quoi ça? Oh, les events. Quoi? Non, y'a des... Y'a des fantômes. Je te l'avais dit, c'est le Hollandais des volants. C'est le Hollandais des volants. Moi, je vais dormir, les gars. Hop là. Allez, battez-vous avec mes potes, mais pas avec moi. Voilà. Comment esquiver l'événement, tu sais? Laissez-moi tranquille. Hop là. Et voilà, la première journée est terminée. Non, ils m'ont attaqué pendant la nuit, c'est lâche. Ils m'ont attaqué pendant que je dormais. Oh, c'est pas gentil, ça. Ils s'en sortent en glaçon ou ça se passe comment? Et c'est pas très fair play. Ah ouais, non, de ouf, hein. Okay, attention, ils arrivent. Le poisson il est pas grillé, le... allez viens le battre. Ok. Oh là là. Voilà. Let's go. Oh c'est quoi ça? Expand raft. Oh je peux l'agrandir. Bah oui, tu peux l'agrandir, ouais. Oh let's go. Ils me font pas peur, j'ai le temps. Oh je peux avoir des nouveaux workers. Trop bien. Hop là. Allez ça bosse. C'est parti, ça pêche les potes. Ok, excellent ça. Ok donc là j'ai plein de workers. Mais ils font super mal. Oh oui, de quoi les fantômes? Les pirates. Ah les pirates, c'est le Hollandais volant. Ok donc là c'est bon. Voilà c'est bon, j'ai survécu à l'événement. En fait c'était marqué, pas c'est water spood. Une pluie d'acide c'est marqué après. Ah bah attention à toi. Oh tu peux choisir l'événement, excellent. Attends. Oh, genre je peux mettre attends tsunami. On va mettre tsunami, voilà. Mais c'est pour tout le monde? Non je crois que c'est pour moi. Ok. Voilà donc ça c'est le prochain événement, ça sera tsunami. Ouais bah bon courage. Ah oui oui, par contre c'est moi. Non je peux manger le poisson cru. Ah! Je savais pas, hein. Ça va peut-être te rendre malade, attention. Attends, je vais sélectionner mon poisson. C'est moi ou les workers? Ouah, ça coûte de plus en plus cher. Ah, les workers, ils sont pas donnés, hein. Let's go. Ok, on est bien. Voilà, donc là, je vais essayer de pêcher encore un petit peu. Ok, moi j'ai 5 coffres à pêcher là. Hop là. 5 coffres? Ouais, ouais, ouais. Ouah, et le radeau, il est super grand, hein. Ok, ouais. J'espère que ça va tenir pour le tsunami, mec. Ok, c'est bon, attention, je pêche. Je ne vois rien. Attends, mais d'ailleurs, comment ça tient? Oh, c'est bon. J'ai quoi? Un autre poisson, excellent. J'en pêche. Comment ça tient alors que les pilotis touchent pas le sol? Mais c'est, ça flotte, tu comprends? Ah rien, oui, pardon, excuse-moi, mais oui, ça c'est flotte. Le principe de flottaison, Archimède. Exactement, tu connais, mais oui, Archimède, oui, l'oiseau, oui, je connais. Ok, c'est bon. Hop là, voilà. Par contre, c'est toujours la même chose, y'a pas de crabe un peu ici, non? Non. Okay, non, le crabe il travaille au crabe croustillant déjà, il est occupé donc. Il fait des pâtés de crabe, voilà. Voilà, voilà. Ok, alors, d'ailleurs, attention. On appelle ça un pâté de crabe, mais c'est de la méduse, hein, donc bon. Ah bah, let's go, hein. Ok, c'est bon, j'ai 3 poissonnés. Ok, on va pouvoir les griller un petit peu. Nickel. Uh-huh. Oula, par contre, ils peuvent cramer ou ça se passe comment? Parce que. Je crois pas. Non, c'est bon, ils sont cook. Ok, on va mettre ça là. Select, je veux poser ça. Je mets ma canne à pêche, je mange ma canne à pêche. Uh-huh. À la place. Bien goulu. On va mettre un autre. Voilà. Ok, c'est parti. On est pas mal. Le radeau il est bien.
Il est grand, ok. Par contre, quand il va faire froid, c'est genre parce qu'il faut que je sois dans ma tente. Je crois qu'il faut être près du feu. Ah, ok. Un tsunami arrive. Ah bah alors là, pourquoi? Ah, le tsunami. Je te bloquez-vous. Mettez-vous sur la hauteur. Oh, la caisse, ça doit aller, la caisse là. La caisse. Alors hein, je veux pas casser l'ambiance. Ouah, le tsunami. Non. C'est bon. Il n'y en aura pas qu'un seul. Comment ça, il n'y en aura pas qu'un seul? Oh, il faut les esquiver en fait. Mais ce qui est génial, c'est que mon feu s'est pas éteint, par contre, ça c'est cool. Ah bah oui, bien sûr. Oh là là, mais oui, ça continue d'arriver. Ok. Ça va, il faut les esquiver, il faut les esquiver. Ok, bien, bien, bien. Il y en a pas d'autres, c'est bon. Les tsunamis. Horrible, mec. Mais pire. C'est bon, il y avait 4 grosses vagues, c'est passé. Ok. Ensuite, ça pourrait être quoi? Shark attack. Ah, le mec, il veut se faire du mal tout seul. Hein. Ah bah bien sûr, vas-y. Bah, non, il y avait un autre, c'était. Mais voilà, je te l'ai. C'est comme un train pour en cacher un autre, c'est un tsunami pour en cacher un autre, mec. Okay. Qu'est-ce que je vais mettre moi? Moi je vais mettre. Oh, y'a des sirènes! Les sirènes! Oh! Je parie que tu ne l'avais pas vu venir ça. Ok, ah, c'est bon. Au moins j'ai pu économiser. Okay. Attends, est-ce que je peux acheter un truc ou pas? Ah ouais, j'avais une caisse qui était planquée là. Oh, j'ai un nouveau coffre! Let's go, on va ouvrir celui-là. Parmi les 6, je prends celui-ci. Attention, et dedans, y'a de la thune s'il te plaît. Oh, je tue du poisson! 5! Ah oui, ils vont tomber sur ton radeau. Ah oui, je les vois, ils sont là-bas au bout. Ok, excellent. Donc là, attendez, je vais agrandir. Oui. Des fois ils peuvent tomber dans l'eau et donc je peux pas les prendre. Ah mais ça c'est trop bien. Mais là c'est encore mieux. Ok, bon, excellent, mais il y en a tellement, mec. Mais pire. Ils restent longtemps ou au bout d'un moment ils sont périmés? Non, ils se périment assez vite, attention à toi. Il y a des mouettes qui viennent en fait, les mouettes ils viennent. Oh, c'est Gérard la mouette. Ok, ça roule, bon tant pis, je vais laisser aux mouettes. Je suis sympa. Le jour 2 s'achève bientôt les amis. Pour l'instant on tient le coup. Avec mon équipe d'équipage de fou là, on tient le coup. Là, c'est quoi là? Oula, Fisher House. Oh, c'est maison de poissons. Mec, y'a rien compris de ça. Ouais. C'est maison de pêcheur. Waouh. Ah ouais, stylé. Poisson doré d'ailleurs dessus. Ah, mais t'as déjà la Fisher House? Ouais, j'ai la Fisher House, ouais. Voilà, let's go. Des nouvelles tentes, trop bien. Oh, après, c'est 8000 pour expand. C'est très cher. Ah, oh, oui, des deux côtés. Tu peux expand des deux côtés, mec, après. Ouais, okay. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi également un petit magasin, ça sert à quoi? Alors, ça, c'est pour avoir un emplacement de plus pour cuire, c'est ça le poisson? Ouais. Ensuite, tu as un truc pour pêcher 4 fois plus rapidement et avoir 4 fois plus de chances d'avoir des meilleurs poissons. Ok, ok. Super worker! Attends, ah bah non, j'ai pas déjà embauché ceux-là? Ouais, si, je l'ai déjà, ouais. Ensuite, il y a des passes, ensuite. Oh, il y a des boosts de thunes! Oh, c'est bon ça. Il y a un boost de thunes x2 cash pendant 30 minutes! Ok. Et x2 worker pendant 30 minutes! Ah ouais, let's go. Bah écoute, c'est trop bien. Comme ça en fait les personnes qui sont sur notre bateau, ils vont pêcher 2 fois plus rapidement. Exactement. Et aussi également on aura 2 fois plus de thunes. Exactement. Voilà, ça tu savais pas ça hein? Non. Ok, trop bien. Bah je vais upgrade un petit peu la cabane. Regardez. Ah, waouh, elle est si grande. Voilà, comme ça j'aurai plus de points de vie aussi également. Ça augmente les points de vie, ça c'est cool. Ok, super. Je vais agrandir du côté gauche moi. Ok, ok. Allez, s'il te plaît, nouveau worker. Les sirènes sont là, let's go. Les sirènes? Ouais, moi j'ai des sirènes. Oh là là, ça pêche. Oh, les méga workers, mais attends, mais. Ils ont des petites têtes pour un grand corps. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème, Captain? Non, mais ça va, t'inquiète. Ouais, oh, Thibaut! Thibaut, il Roblox. Oui, il est baraqué, mais il a une petite tête quand même. Hein, Ah, bah, let's go. Ok, très bien. D'ailleurs, c'est un peu comme le même challenge que Mr. Beast au final. Hein. Ouais, c'est ça. Oh là là, moi j'ai. Attends, mais. Avec deux furious géants là. Ah ouais? Non, il pue d'acide! Aïe! Mais j'avais pourtant voté pour les requins! Oh, je crois qu'à mon avis, il fallait pas voter les vannes quand il était pas encore terminé. Non. Ça va, c'est bon. La pluie acide, on résiste. Ça va derrière? Je suis pas assez bien payé. C'est les ouvriers. Elles sont pas assez bien payées. Ok, on est bien. Pour l'instant, on est bien. Les points de vie, ça se récupère tout seul, je crois. Non, il faut avoir au moins 85% de fin de rempli. Ah ouais, ah bah ça c'est bon, bah écoute. J'avais une fuite dans la maison, mais ça a l'air d'être d'avoir tenu. Ok, nickel. Super. Là, je vais tout de suite racheter le deuxième sans avoir terminé celui-là, peut-être. Vas-y, vas-y. Oh, quoique, non, vas-y, je vais finir. Oh, le méga noob. Voilà, let's go. Oh, j'ai un nouveau coffre. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti, au pif. Attention, attention. Oh, bah super, des poissons. J'ai l'impression d'avoir la thune. Ok, bah je vais manger tout ce que j'ai dans la poche. Hein, parce que... De toute façon, tu peux gagner des fois de thunes hein, dans les coffres. C'est génial. Ouais. Voilà, c'est bon, je suis à 100%. Ok, je vais expandre ça. Voilà, wow, à mon avis, ça va être la même chose. Ouais, j'ai pas assez pour les méga workers. Oh, quoique. 3500. Allez, vas-y, on le tente celui-là. Hop là. Et après, on va aller se coucher un peu là. Et ça va être la fin de la deuxième journée, les amis. Voilà, ça se passe très bien. Franchement, on est plutôt pas mal pour l'instant. Et on parle de c'est chaud en mer, mais ça va en vrai, hein.
Bah c'est plutôt des vacances Club Med là. Ah bah là c'est voilà hein, c'est juste qu'il y a pas le tu sais tout à volonté là. Ah bah si si à volonté c'est là ta faim à volonté là. Ah oui ça oui. C'est Shark Attack. Je... c'est quoi Mermaid? C'est les sirènes, c'est les sirènes. Ah c'est ça. Et Fog c'est quoi Fog? C'est Fog. Fog c'est un brouillard et je sais pas si tu le sais mais quand il pleut ou quand il fait pas beau, ouais, les poissons ils ont tendance à remonter à la surface donc ah, quand tu as l'événement Fog, tu peux mieux tes pêcher. Pêcheurs ils gagnent 10% de pêche. Pas mal. C'est bon ça. Mais dis donc, tu as regardé Bear Grylls ou quoi? OK, bon allez, c'est parti. Hop là, on va aller se coucher un peu. Bonne nuit tout le monde. Non, non, pas les requins, pas les requins. Oh, j'ai fait un... Attends, je me réveille. Oh, j'ai fait un cauchemar, mec. Ok, c'est bon. Troisième journée, les amis. Toujours bloqué en mer. Aucun signe des secours. Et toujours pas de signe d'Overspace. Pourtant, j'ai l'impression que je l'entends. Je crois que mon esprit me joue des tours. Certainement le manque d'eau. Oui, parce que à part manger du poisson, je ne bois pas d'eau. Hein, donc, voilà, c'est sûrement ça. Il est dans ma tête. C'est dans ma tête. Et mes propres larmes de sueur. Ouais, ça doit être ça. Des joues coulent sur mes larmes là. Ok. Bon, allez, c'est parti. Hop, on va agrandir. Est-ce que j'ai. Eh, on peut pas dire que j'ai pris la grosse tête. Hein. Mattez ça là. Non. Le Lego, mec. Ok. Trop bien. Donc là, c'est bon. On va pouvoir expandre encore le raft. Agrandir le radeau. Attends, mais je vais faire une ville ou quoi? Ah bah, c'est le but. Hein. Mais quoi, comment ça, clear débris? Je peux passer là. Non, moi. Attends, je suis mort. C'est bon, c'est pas perdu. Parce que quand tu meurs, tu dois recommencer à zéro. Ouais. Alors, voilà. Ouais, ça peut arriver. Voilà, j'ai glissé. En fait, il y avait des débris. J'ai glissé, chef. Je pouvais largement passer sur le côté. Ils ont déconné ou quoi? Ok, donc là, c'était combien? C'était 15 000. Bon, j'ai compris. Les débris, même s'il y a un petit emplacement que je peux largement passer, je vais payer. D'accord, j'ai compris. Ok. Après, c'est 25 000, mais quoi? Attends, c'est déjà la fin? Non, c'est pas possible, c'est la fin après, c'est ça. Ce sera la totalité du radeau. Quoi, c'est vrai? Mais t'es sérieux? Donc là, ça veut dire qu'après là, il faut que j'attende 7 jours pour Rebirth. Et exactement, tu vas devoir t'asseoir au bord de l'eau et t'ennuyer pendant 7 jours. Oh non, il y a des mécalotons qui attaquent mon radeau. Enfin, des têtes demi... des têtes de mégalodons. Waouh. C'est des demi-lodons. Laissez-vous cette race de mégalodon, les demi-lodons. Terrifiant, on y voit avec la tête. Regardez ça, ils attaquent mon bateau. Mais heureusement, ils résistent. On dirait des cailloux, s'il te plaît, Toto. Ouais, bon, respecte-les un peu, ça reste des êtres vivants. Les cailloux bon. Le mégalodon. Oh la vache. On fait le malin, mais leurs dents font la taille de ma tête hein. Ah ouais, c'est des mégaloflops. Attends, des mégaloflops. C'est pour ça qu'ils sont en colère. Oh la vache, non, c'est bon, ça tient le coup. Ils sont partout. Ok, c'est bon, ils sont partis. Ok, trop bon ça. Bon bah très bien, et bah écoute, ça pourrait être quoi le truc bien après là? Snow, d'accord, donc là en fait, Water Spout, ça c'était quoi ça déjà? C'était les petits trucs d'eau qui tombaient? Alors Water Spout, non, c'est tu dois rafistoler ton raft de temps en temps. Ah, il est pété, ok. Ouais. Ensuite Acid Rain, donc ça c'est la pluie d'acide, Fox, c'est le brouillard. C'est vraiment quelque chose de très agréable, ouais. Voilà, c'est ça c'est les sirènes, les attaques de pirates, donc tu vois un bateau de pirates qui arrive, c'est ça? Non, c'est un peu comme les fantômes, mais c'est des pirates. Ah, d'accord, ensuite il y a la tempête, la neige, les requins, les bubbles, donc ça c'est les bulles qu'on avait au début, hein, les attaques de bulles, attention, très dangereux. Ouais. Il y a les attaques de pouces bleus aussi. Ouais, ils attaquent du pouce bleu. Non, arrêtez, ouais. Non, mettez pas trop. Non, non. Quand t'attaques, donc les fantômes, le tsunami, Hunger, c'est la fin. Donc t'as genre très très faim. Et Bob le bricoleur, il vient, c'est ça? Bob il régale. C'est quoi Bob? Ah bah Bob il régale. Ah mais on peut même pas le choisir, je peux plus choisir les événements. Ah ouais, mais non. Non, ça je peux plus. Non. Vous avez trop abusé des événements Robux. Alors de mémoire, Bob, ouais. C'est quelqu'un qui vient jeter des tonnes de poissons sur ton... Oh, mais en fait c'est un bon événement ça. C'est un bon événement. Bah comme les sirènes et le brouillard hein. Ah oui, les sirènes elles donnent quoi déjà? Les sirènes elles augmentent ta chance de pêche. Donc pêcher des poissons spéciaux ou des coffres. Trop bien. D'ailleurs il y a rien du tout dans la cabane à poissons. Alors attendez, à pêcheur, on va clear les débris là. Et là normalement on a le bouton Rebirth. Donc là en fait ça voudrait dire quoi? J'ai un bouton Rebirth. Donc si que tu peux Rebirth. Donc faut attendre 7 jours hein, c'est ça hein. Pour survivre, ouais, il faut le faire 7 jours. Ouais. Ok, 7 jours, c'est parti. Ok, alors attendez, j'ai autre chose que j'ai pas fait, c'est améliorer aussi également ma cabane. Parce que le mieux, ça serait quand même de tout améliorer. Hein, ah bah, la canne à pêche aussi, tu peux y aller. La canne à pêche, ouais, let's go. À la fin, tu es avec un jet ski, hein, carrément, tu vois, tu vas pêcher avec un filet. Un tracteur dans l'eau, tu sais. Ok, c'est bon. Donc là, c'est. Waouh, je vois une cabane, regardez. Let's go! Vous me dire que dans Roblox vous n'êtes pas capable de faire une cabane? J'ai pas dit ça, non. Ah non, donc là c'est quoi ça? C'est une autre cabane? Ouais c'est ça, à chaque fois ça améliore juste tes points de vie. Il faut attendre le jour suivant.
Exactement. Mais c'est génial. Ok, bon, très bien. Pensez à le faire, les amis, sinon on serait bloqué pour l'améliorer. Et là, c'est quoi, la canne à pêche? Je vais mourir de faim, là. Waouh, mais attends. Waouh, y'a la fin, c'est une canne à pêche en Robux. Ouais, ouais, bon, moi, je l'ai jamais prise. Bon, y'a pas besoin, je pense. Waouh, c'est une canne à pêche, mais pourquoi y'a un halo au bout, là? Oh. Ouais, c'est une ring light, c'est quand tu t'attrapes les poissons, tu les filmes. Ah, bah, en c'est même la temps. Canne à pêche divine, hein, bien sûr. Voilà, ouais, donc là, c'est-à-dire que là, j'ai pêché les poissons beaucoup plus rapidement, attention. Ah, bah, ouais, c'est méga rapide. Ah, ouais, let's go. Oh, j'ai un trésor. Let's go. Oh non, c'est le retour des requins Milodon. Les amis, ça fait déjà 7 jours que je suis bloqué en plein océan sur ce radeau géant. Et regardez, j'ai terminé ma cabane. Elle est au maximum. Waouh, elle est tellement stylée. On dirait un peu la cabane des chiottes de Shrek, hein, quand même. Non. And somebody that's pretty skinny poisson. Oh, y'a un bâton. Oh, oh, je suis là, je suis bloqué sur un radeau, s'il vous plaît. Sortez-moi de là. Non, je vais retourner, les gars, on le ramasse pas, celui-là, c'est la 18ème fois qu'on le ramasse. Non, sortez-moi de là. Yes, c'est bon. Attends, je vais monter dessus. Est-ce qu'on me voit monter dessus? C'est vrai? Oh non, attends, mais c'est trop cool. C'est bon, on vous voit pas que c'est la maison. Bon, on s'en va, hein. Yes, les amis, voilà, on s'en va enfin. C'est sur une stage sur l'océan, grâce à vous. Les amis, cette aventure vous a extrêmement plu. N'hésitez pas à merci en mettre un maximum de pouces bleus. Et je vous dis du coup à très bientôt. Et ciao les amis.